Bonsoir et bienvenue sur notre programme musical 30 millions d'amis Télévision Moselle. Le saviez-vous? Les scorpions, qui appartiennent à l'ordre des arachnides, comme les araignées ou les acariens, sont des animaux fossiles qui étaient déjà là au temps des dinosaures, il y a 500 millions d'années. Et oui, on pense que les eurypterides ou scorpions de mer sont les ancêtres des scorpions actuels, voire de tous les arachnides. Les ancêtres scorpions font leur apparition il y a 450 millions d'années, à l'époque ordovicienne. Ce sont les premiers arthropodes terrestres connus. Les eurypterides forment un ordre éteint d'arthropodes chélicérates marins. Ils ne comptent que des formes fossiles de l'ordovicien moyen au permien, dont certaines atteignent plus de 2 mètres de long. Ils étaient situés tout en haut de la chaîne alimentaire de l'ère paléozoïque. Mais bon, on a plutôt cherché Scorpion sur Discogs et on a trouvé Black Scorpion, Scorpion Child, un album de Yves qui s'appelle Scorpion. Et ce soir, on accueille le groupe mosellan Scorpion Violente. Vous voulez un petit shot de vodka ou Ok. Alors, on va faire un jeu. Et ce jeu, ça s'appelle fan ou animaux. C'est très simple. Je vous dis un mot et vous répondez fan ou animaux. Selon ce que ça veut dire pour vous, ou si ça veut rien dire, hein, d'ailleurs. Ah, c'est facile, on va répondre exactement la même chose parce qu'on est presque fusionnel, vu qu'on joue dans le même groupe. Eh ouais. Ça marchera à tous les coups. Lunettes noires, fan ou animaux? Merde. Animal. Fan. Volet fermé, fan ou animaux? Fan. Matériel à transporter, fan ou animaux? Animaux. Câble, fan ou animaux? Ça dépend s'il faut, si c'est pour pendre un animal ou si c'est pour faire le concert. Bah, oui ou non. Câble, fan ou animaux? Animaux. Allez. Bandcamp, fan ou animaux? Bangkok. SoundCloud, fan ou animaux? Animaux. Les musiciens, les musiciennes, fan ou animaux? Fan. L'enregistrement, fan ou animaux? Animaux. Le live, fan ou animaux? Animaux. Animaux. Le Haut-Karabakh, fan ou animaux? On sait pas ce que c'est. C'est un petit pays enclavé vers. Je veux pas dire des bêtises, je sais plus, vers la Géorgie. Andorre. Mais c'est Andorre. Habité par des fans ou des animaux? Par des fans et des animaux. C'est un autre jeu, c'est fans et animaux. Là, on est sur fans ou animaux. Du coup, Bourzoum, fan ou animaux? Fan. La trans, fan ou animaux? Fan, oui. Datura, fan ou animaux? Les fans. C'est quoi, c'est Natura, là où on peut acheter des meubles? Datura. Je parle vite. Fan, ouais. Du coup, tu parlais... Datura, la fois, je me suis chié dessus, mais bon... Non, plutôt animal quand t'en prends. Tournée manège, fan ou animaux? Animaux. Les gabeurs, fan ou animaux? Animaux, un peu. Ouais, animaux, ouais. La trompette, fan ou animaux? Entre les deux, quand même. Je c'est pas possible, pas c'est pas possible. Bah, fanimal comme animal. Ok, ouais. YouTube, fan ou animaux? Fan. Sacrifice, fan ou animaux? Animaux, hein. Oh, fan aussi, non. Ah, c'est les sacrifices d'animaux. Oui, sacrifices de sacrifice de fan aussi. Ouais, de, on en fait régulièrement. Une fois sur deux. Je fais parce que je n'ai pas suivi exactement. Non, on suit. Acouphène, fan ou animaux? Fan. The Dreams, fan ou animaux? Fan. Cassette VHS, fan ou animaux? Fan. Le ska, fan ou animaux? Animaux. Animaux, putain, la question. Montpellier, fan ou animaux? Oh putain, animaux. Monica Vitti. Fan ou animaux? Je sais pas qui c'est. Ouais, bah c'est une actrice et une réalisatrice italienne. Animaux, ok. Voilà.
Merci. Donc, vous avez gagné un poulet. Je vous le donne tout de suite. Bravo. Non mais après on va. Enfin certains ont dit qu'on pouvait le cuisiner plus tard. D'accord. Donc je vais au chef, je vais prendre. Allez. Par contre, faut pas offrir un cadeau. Hein. En 1997, dans une interview à Rock Sound, un magazine qui a mis la clé sous la porte depuis, les Chemical Brothers disaient qu'ils se trouvaient dans une situation un peu bancale pour eux, c'est-à-dire qu'ils trouvaient qu'il y avait en général deux positions. Merde. qui est de que soit on est art brut et on connaît rien et on fait les trucs comme ça, soit on est très érudit et savant. Et eux, ils se trouvaient un peu au milieu, c'est-à-dire qu'ils étaient autodidactes et qu'en même temps, ils connaissaient plein de choses, mais ils n'étaient pas non plus savants. Et que c'était une situation du coup qui était techniquement, musicalement et socialement aussi un peu bancale pour eux. Vous pensez quoi de cette réflexion ? Nafi, en fait, c'est plus l'innocence dans le groupe, donc la spontanéité. Puis moi, c'est plus l'érudition et l'isolement, quoi. Donc, ça va, on arrive à trouver un équilibre entre les deux. C'est trop beau ce que vous avez dit. Écoute. Ouais. Point, quoi. C'est parfait. C'est... sans transition, est-ce que vous avez un travail alimentaire à côté de la musique ? Un travail qui est. Oui ? Oui. Tu fais quoi comme travail ? Je suis réceptionniste pour la SNCF. Ok. Vaguement. On travaille de nuit. Ok. Et je réserve leurs chambres quand ils doivent dormir à Perpète les Eaux dans des villes que je ne connaissais même pas. Ok. À Vallon, par exemple, je pensais que c'était un mythe. Et en fait, non, c'est une vraie ville qui existe. Et ils dorment là-bas. Et toi, tu as un travail ? Moi, je suis contrôleur SNCF. On s'est rencontrés là, à l'hôtel. Je pense que... Pas avec le micro. Ah pardon, je suis contrôleur SNCF et du coup un coup je revenais de mon Montpellier Metz et puis on s'est rencontrés un soir comme ça, il était à l'accueil, on s'est regardé. C'est vrai ? Ouais. Et on a parlé de. Non c'est vrai ? Ouais. Ouais ouais. Et on a parlé de tous les groupes qu'on adorait, Téléphone, Magma. Ah putain et... j'adore Magma aussi. Et du coup c'est parti de là et puis voilà, maintenant ça fait 35 ans ensemble. Ah, ça se voit pas. Hein. 58, 57, on les fait pas. Je trouve ça merveilleux. Je trouve que c'est vraiment un message d'espoir à toutes les personnes qui, en temps de pandémie, qui vieillissent. Se sentent isolées. Vous voyez, n'hésitez pas à prendre le train. Faites belles rencontres. Ouais. Est-ce que la musique, vous l'avez envisagée comme truc pour vous nourrir ? Toi, du coup, tu l'as envisagée quand même un jour ou pas ? Enfin, quel est le rapport à... À la nourriture. Normalement, en fait, j'ai fait un choix de Tanguy et je suis resté chez mes parents comme un bon vieux trimard. Mm-hmm. Ça fait que du coup, j'ai jamais eu besoin de la zik pour bouffer. Grâce à ça, j'ai pu rester dans une espèce de logique un petit peu pure, dans l'idée de faire strictement ce que je voulais sans avoir d'impératif de thune. Après, c'est pas forcément le. Toi, ça rentrait dans ton but, clairement. Quoi. Non, mais la question, c'était ouais, si on voulait faire de la thune avec la musique. L'idée de la question, c'est le rapport à l'argent, à la musique et le travail. Quoi. Pour compléter la réponse de Thomas, c'est que en fait, il faisait de la musique tellement n'importe quoi que c'était impossible techniquement de gagner de l'argent avec. La première fois que je l'ai vu, il faisait la musique. En gros, c'était une boîte à rythme qui tournait, genre sur un synthé comme ça, avec une note appuyée pendant une demi-heure. Mmh. Donc, il n'y avait pas de boîte à rythme. Il n'y avait même pas de boîte à rythme. Donc en gros, il appuyait une demi-heure sur un bouton en fumant des clopes. Et quand il avait décidé qu'on avait fumé trois clopes, le concert était fini. Donc impossible de faire de l'argent avec. Donc je pense que la question, elle ne se pose même plus là. Quoi. Enfin, si ta musique est tellement foireuse que tu ne peux pas faire d'argent avec. Tu te poses jamais cette question et puis
vol, quoi. Parce que... La première fois que tu m'as vu, c'était quand je faisais du cutter, en fait. Ah ouais, non, la première fois que je l'ai vu, c'était... Il y avait un disque, il avait un cutter avec un micro dessus, et il bourrinait le disque au cutter, ouais. Avec des pédales de disto entre. Alors, autant te dire que impossible de faire un... de vendre ça pour Air France, pour faire une pub, quoi. Donc, la question... Un ninja, un truc plus foireux, quoi. Air Afghanistan, ouais, peut-être. Comme ça. Parce que du coup, il n'y a que ce moyen-là, en fait, pour manger. Enfin, je ne parle pas d'être richissime, tu vois, mais juste de vivre assez... Enfin, c'est une question qu'on peut tous se poser, tu vois, vivre, bah moi, je vivre pense normalement, en fait. Ouais. Je pense que c'est un truc qui découle de tes 15 ans. Enfin, quand tu commences à t'intéresser à la musique, et quand tu commences à faire la musique, et tu dis, tiens, je sais jouer deux accords, forcément, il y a un moment où tu te dis, quand t'as 15 ans et demi, ouais, ça se trouve, je pourrais gagner de l'argent. Alors, on ne dit pas être millionnaire, mais tu vois, gagner sa vie en faisant de la musique. Mmh. Mais après, je pense que quand tu fais de la musique, ça se découle de soi que c'est... Ça part de l'impossible au pratiquement impossible, enfin, qu'il y a une chance sur un million que ça marche. Donc, je pense que si tu pars du principe que c'est impossible, tu te dégages de plein de soucis parce que tu fais ce, ouais, que tu veux, du coup. Il y a un autre truc, c'est que quand les thunes elles rentrent en ligne de compte, tu bascules d'une scène et d'une logique à une autre, quoi. Ouais, quand t'as le cul entre deux chaises, bah, c'est assez malsain, quoi, parce que tu sais jamais si les personnes qui organisent des concerts pour toi, parce que nous on est plutôt branleurs en termes d'orga, donc on attend que les personnes viennent nous gratter à la porte, ils vont dire oh bah oui d'accord, et du coup quand tu marches presque, la question elle se pose, mais si tu bascules vraiment de l'autre côté, bah, tu te retrouves vraiment qu'avec des hommes d'affaires qui veulent juste te blinder une salle sans, qui connaissent pas forcément ta zik, qui l'aiment, ouais, pas forcément. Donc du coup, c'est vachement plus confortable finalement d'être dans une... avec des guillemets, la petite scène, parce que tu tombes que sur des gens qui ont vraiment envie d'écouter ce que tu fais, quoi, pour de vrai, quoi. Mais tu gagnes pas mille. Non, puis il y a une question de production, question pour tout les simplement. Jeunes, qui nous regardent. Écoutez les jeunes qui êtes sur Dailymotion. en fait, YouTube, pardon. En fait, la question, elle se pose en question de fric, mais elle se pose tout simplement en question de production, dans le sens où les rares gens que je connaisse qui ne sont pas sur Geffen, hein, mais qui sont sur des labels un peu gros, entre guillemets. Il y a la question qu'à un moment, le type du label, il va te dire bah, il faut que tu produises un disque par an. Tu as juste le deadline là. Qu'est-ce que tu veux faire à produire un disque par an? Qu'est-ce que tu voulais produire un disque l'année dernière, par exemple? Enfin, il y en a qui ont produit à mort, on va dire, mais on s'en fout de l'année. Tu ne peux pas produire un disque par an. Il y a un coup, pendant 6 mois, tu vas faire 18 disques, et un coup, pendant 6 ans, tu vas en faire un demi-disque. C'est impossible. Et après, quand on te sort des conneries du style, non, mais si on veut qu'on se rappelle de toi, enfin, que le public. Ouais, mais ça, c'est des plans. Non, mais ouais. Il y a des connards qui te sortent ce genre de truc, en mode. On va t'oublier si tu sors pas une production tous les ans, tu vois. Et c'est ridicule, quoi. Enfin, c'est un truc, c'est pas comme être menuisier, c'est que tu peux pas produire une porte par an automatiquement. Bah, il faut les recueillir, ces chansons. Et d'ailleurs, justement, ça fait le lien avec une autre question, quoi. Je voulais dire aussi, peut-être, ouais, en rebondissant sur Nafi, il y en a même qui sortent un truc par an, voire tous les 6 mois, et qu'on oublie instantanément. Surtout, quand tu sors un truc tous les 6 mois, c'est de la merde, forcément. Bah, ouais. Mister Marcaille en cuisine. Chances, quoi. Ouais. Moi, je sors un disque tous les 5 ans. Je pense que ça va, il y a une bonne moyenne, voire tous les 8 ans, presque même. À chaque fois, c'est un putain d'événement. Après, à chaque fois, c'est on est d'accord. Tu fais de la bouffe entre-temps aussi. Entre-temps, je fais de la bouffe, on en reparlera plus tard. Mais du coup, ça fait lien avec une autre question. Tu vas sortir un autre album de Noir Boy George. Il y a des gens qui se demandent... est-ce que c'est... Il te faut un certain temps, en fait, pour recueillir. Moi, j'en sais rien. Enfin, est-ce que tu as déjà des morceaux? Est-ce qu'il te faut un certain temps pour recueillir? Genre, tu recueilles les morceaux, tu vois, tu attends qu'ils arrivent et tout. Est-ce que tu as enregistré des trucs? Est-ce que c'est un. Voilà, quoi, tout ça, quoi. Oui. Ok. Et Organ Punishment, du coup, c'est quoi exactement, ce bandcamp? Organ Punishment, en fait, c'était juste avant Scorpion Violente.
Et bah c'était en fait ça a commencé sur vraiment des notes de synthé. C'est ça, une note pendant une demi-heure. Ah ouais. Et voilà. Comme j'étais ultra angoissé sur scène, j'avais pas encore trouvé la technique des lunettes noires embuées pour ne pas voir le public. Mm-hmm. Bah, je me mettais des races monumentales et je restais assis jusqu'à. Enfin, voilà, les concerts duraient pas perpète, quoi. Tu vois, ils duraient le temps qu'il fallait, quoi. 20 minutes, 10 minutes parfois. Et il y a une fois, un jour, où j'ai trouvé l'option sur mon Farfisa de la boîte à rythme. Et comme il était en fin de vie, à l'intérieur, il y a des. Enfin bref, quand il se met à déconner, il a un son de bâtard, quoi. Il a genre un son ultra bourrin. Et c'est, en gros, c'est ça que j'ai. Pour dire vite fait que, c'est, que j'ai apporté dans Scorpion Violent, je pense. Le côté là, quoi. Le côté dance floor du mal, quoi. En deux notes. Voilà. Okay. Une note par main quand j'étais en forme, quoi. Et on a écouté, on a vu que vous aviez fait une BO pour le film Les Garçons Sauvages de Bertrand Mondico. On peut l'écouter sur ton Bandcamp à toi, du coup, sur Organ Punishment. Alors, et, ouais. C'est, et c'est Scorpion Violente. Alors c'est pourquoi pas... Il y a une raison secrète. Pourquoi? Non, il y a une raison secrète, c'est que j'avais la flemme de recréer un. Il y a déjà un Scorpion Violent qui a été créé par un fils de pute qu'on ne nommera pas. Ok. Voilà, le gars de la vente. De quoi? Le gars de chez Avante Record, mais on ne le nommera pas. Et. Mais on ne l'aime pas. Voilà, que ça soit dit. On peut faire un gros plan peut-être à ce moment-là. tu le refais. Et nous n'aimons pas le gars de chez Avante Record parce qu'il a essayé d'enculer ma fille et moi, j'accepte pas. Tu vois. J'accepte pas. T'as enculé aussi? Non, moi ça va. Moi j'aime bien. Non, mais voilà, c'est. Toute blague mise à part, il y avait déjà ça qui existait. J'avais pas les codes pour la page que Nafi avait créée. Donc je me suis dit, Non, mais pour de vrai, c'est aussi con que ça. Hein. Bah ouais, du coup, je les ai remis sur la page Organ Punishment. Et comme on a le Bertrand Mondico, il avait retenu un morceau et demi vite fait qui. Dont un qui avait été remixé par. Bref, il n'y avait quasiment rien de ce qu'on avait fait qui était dessus. Ah ouais, d'accord. Du coup, on s'est dit, on va les mettre en ligne au fur et à mesure. Au début, je voulais mettre que trois morceaux. Puis au fur et à mesure, ça a donné le truc de six morceaux qui a une espèce d'album qui ne sortira jamais, que personne n'a écouté, que personne n'a jamais joué. Quoi. En gros. Alors, on va passer maintenant à notre rubrique. J'ai la chronique qui me démange, avec Jeanne. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Josépha. Bonsoir. Donc, pour cette chronique cassette, je vais me diriger vers le pays de Grozen, de Larissa Iceglass, de Lebanon Hanover et de Peter Carnell. Et oui, la Suisse. Donc, c'est cette cassette, en fait, de Léonie Léonie. Elle vient de Berne. Je vais la mettre. Et c'est sorti en 2020. On peut écouter un peu. Donc ça s'appelle Easy Sleep, mais on trouve que c'est vraiment une musique du matin. C'est vraiment un matin tranquille. Donc c'est comme ça, il y a des morceaux un peu planants, un peu parfois jeux vidéo, avec une voix en mode Stina Nordenstam. Enfin, c'est l'ASMR du marchand de sable. Alors, ce morceau-là, il dure quelques minutes, mais il y en a d'autres qui durent que quelques secondes. Et ça ressemble un peu à des chansons d'enfants, comme un enfant qui joue dans sa chambre ou qui est sur le chemin et qui dit « Ma maman m'a tenu la main, il y a une feuille verte », des choses comme ça. Voilà. Donc elle a surtout joué en Suisse, chez Bongo Joe, le fameux disquaire et label, à Genève, à Lausanne au Salopard, au Guérilla Classics à Zurich. Et préparez vos passeports sanitaires parce qu'elle jouera le 6 juin
au Pulp Festival en Suisse. Donc, petit tour d'horizon des différentes compilations sorties depuis la pandémie. Donc, tout d'abord avec le label Chant d'honneur de Marseille, qui a sorti une compile cassette l'année dernière. On peut retrouver des lives des différents concerts qui ont eu lieu sur les scènes marseillaises, comme à l'Embobineuse, à la Machine à coudre, au Méta ou au Marseillais. Donc c'est un double boîtier cassette, illustré par Josué Confort, dans lequel on peut retrouver des lives de Nina Harker, de Ventre de Biche, Sida et plein d'autres groupes. Donc vous ne pouvez pas vous procurer la cassette parce que c'est moi qui ai le dernier exemplaire. Mais par contre, vous pouvez aller faire un tour sur le Bandcamp de Chant d'honneur pour écouter l'album. Et maintenant, on va accueillir l'homme de l'ombre qui est derrière le label ayant sorti les disques de Nina Harker, de Capello, d'Aku et de Maraudeur qui figurent justement sur cette compile. C'est Nicolas du Syndicat des Scorpions. Bonjour. Salut. Salut. Merci de l'invitation. Bah merci à toi d'être là. Attends, je vais prendre si je prends de la vodka. Giga. Tu veux que je te sers? Non, ça va. De la carte, tu veux dire? Non, mais j'en ai. Bah, salut Nicus. Re-salut, hein. Salut. Le syndicat des scorpions, toi tu fais des cassettes et des vinyles. C'est ça. Mais en ce moment c'est surtout des cassettes, non? Oui, parce que je fais des travaux chez moi en fait dans mon appartement et du coup j'ai plus de sous pour faire des vinyles. Ouais. Donc c'est... Excellent. Donc ouais, les cassettes c'est moins cher à faire. Ouais. En fait. Et comme en fait moi je suis vraiment une grosse merde pour... de tenir les comptes du label, etc. Je réinsère de mes salaires dans le label. Mm. Donc du coup, et comme je ne vends pas assez de disques pour faire les disques que je veux faire, j'ai plus de thunes pour faire des vinyles. Donc tu as un salaire, on en reparlera plus tard. J'ai un salaire, ouais. Mm. Incroyable. Ouais, je suis chez Pôle emploi en ce moment, ça m'intéresse en fait. Ah ouais, ça va. Ah merde. Ce que tout le monde fait, tu vois. Bref. Donc du coup, ta dernière sortie, donc c'est Magicien Windows, on remet un peu? Comme tu veux, vas-y. Voilà la cassette. C'est qui Magicien Windows? Alors Magicien Windows, c'est un mec qui au départ s'appelle LL Cool Joe, enfin ouais. C'est un autre pseudo qu'il a quoi, et qui faisait de la musique avant aussi au départ. Avec plein d'autres groupes. Il a joué dans Strasbourg. Il a un projet solo qui s'appelle Françoise Pagan, je crois. Il a aussi un label qui s'appelle Maison Acide. Et du coup, durant le premier confinement, donc l'année dernière, il avait posté un morceau de ce projet-là. Mmh. Et ce morceau, il s'appelait Je n'écouterai plus jamais Colombé de la même façon. Mmh. Vu que moi, j'aime beaucoup Colombé, ça m'avait fait... ça m'avait marqué quoi, et puis le morceau était super beau, donc voilà, en fait je lui ai demandé s'il voulait faire un disque après quoi, enfin une cassette plutôt, et il était vachement partant, et puis ça a donné cette cassette quoi, qui vient au départ en fait de son état d'esprit durant le confinement, et aussi d'une grosse peine de cœur je crois. C'était quoi son état d'esprit pendant le confinement? Bah, heureux. Heureux. Non, je pense qu'il a galéré comme tout le monde. Ouais. Et puis plus s'il était triste en plus en amour, mmh. Mais c'est cool, ça a donné un truc vraiment beau quoi. Mmh. Le nom de l'album c'est Les Trompettes du Désespoir, donc ça, ah, oui. Ça envoie un peu le truc quoi. Ça avait un peu son état d'esprit ouais. Pendant le confinement quoi. C'est du désespoir plein de trompettes, mais ah, pardon. C'est pas grave, c'est la même chose. Et l'album, c'est un album où sur chaque morceau il y a un pote, lui qui chante. Ouais, en fait. C'est un album d'amis quoi. Oui, c'est ça. Et moi, en fait, j'avais déjà fait un disque avec TG Gondard il y a quelques années. Et en fait, sur le disque-là, je lui avais proposé de faire beaucoup de featuring avec des voix féminines, en fait. Et je voulais refaire ce truc-là sur cette cassette-là. Mais au final, lui, il a demandé à des filles, à des garçons. Et c'était effectivement beaucoup, beaucoup d'amis à lui.
Et du coup, ça a fait un album mi-instrumental, mi-avec des voix, quoi. Et c'est plutôt cool, quoi, parce que tous les morceaux ne se ressemblent pas tellement. Et voilà. C'était cool. Tu frottes trop le micro. Pardon. Et notamment sur un morceau, il y a Lucile Gauthier, Jeanne. Ouais, donc le morceau qu'on vient d'écouter, il y a Lucile Gauthier qui chante dessus. Donc Lucile Gauthier, avant de faire la musique, elle est dessinatrice. Elle fait des BD, elle a édité un fanzine aux éditions Même Pas Mal. Elle fait des affiches de concerts et c'est elle qui a fait la pochette de l'album Sidéra de la Chasse. Donc voilà, dans ses dessins, elle représente un peu, elle parle d'amour, de féminisme et de haine des flics. Donc on a pu l'interviewer en vidéo. Donc on vous laisse regarder la vidéo. À vous les studios. À vous les studios. Donc Lucile, on a pu entendre ta voix donc dans la cassette de Magicien Windows qui est sortie sur le label du Syndicat des Scorpions. Et du coup, donc c'est sur le morceau Coquelicot Ascendant Scanner. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cet horoscope ? Ça vient d'un test, comme les tests de magazine qui a circulé sur Internet, qui s'appelle le Grand Test de l'Amour, et qui dit à la fin quel genre de plante on est. Et il se trouve que l'été dernier, avec Joe et d'autres copines à Nantes, on a tous ensemble fait ce test, et on était pas mal de coquelicots, dont Joe et moi. Et ils venaient me proposer de chanter sur un morceau de la cassette. Et du coup voilà, il m'a dit, il faut écrire là-dessus, et du coup j'ai mis quelques mois à le faire, mais du coup j'ai écrit une chanson. Et du coup, c'était la première fois que tu participais à un projet musical, ou t'as déjà fait de la musique, tu joues dans d'autres groupes ou... Je joue dans un groupe avec deux copines, on joue environ une fois par an, okay. Voilà, depuis 3 ans, donc on a fait 3 concerts, qui s'appelle Turning Slicers, avec deux copines qui font le groupe La Chasse aussi, ouais. Voilà, à Marseille, mais là je fais juste du synthé. Et on se demandait si dans tes dessins, tu avais un lien, vu qu'il y a un lien entre tes dessins et la musique, comme tu fais pas mal d'affiches, de pochettes, etc. Et autres aussi. Est-ce qu'il y avait un lien synesthésique avec la musique ? Par exemple, si tu écoutais la musique pendant que tu dessinais, est-ce que tu sentais que tu allais plus vers tel ou tel trait ou pas du tout, on se plante ? Je peux pas tout le temps écouter de la musique quand je dessine. Okay. C'est-à-dire que si j'ai vraiment besoin de me concentrer, de réfléchir à ce que je vais dessiner, je vais peut-être pas trop en écouter ou écouter un truc hyper doux et peut-être sans parole. Parce que sinon ça m'embrouille. Parce que je suis quelqu'un d'hyper dispersé. Du coup, j'ai déjà du mal à me concentrer. Et après, une fois que j'ai besoin d'ancrer un dessin, par contre, je vais écouter des trucs de gros bourrins. Donc, t'as aussi illustré le fanzine dans le fanzine Ventoline. Donc c'est le numéro 2, donc tu as illustré un texte de Anna Servo, du coup qui joue aussi dans La Chasse. Donc c'est le fanzine Ventoline, c'est un fanzine qui donne la parole à des femmes justement autour de la musique et tout ça quoi. Le texte que tu as illustré, il parle d'une enquête sur comment la culture politique elle peut influencer la pratique musicale. Justement, on se demandait en fait comment toi ça la pratique politique, ta trajectoire personnelle t'a amené au dessin et comment les deux se retrouvent quoi en fait. Alors je dirais que c'est pas forcément la pratique politique, ma culture politique qui m'a amenée au dessin, mais par contre ma culture politique a hyper bougé depuis quelques années et que ça me paraît essentiel que ce soit, enfin je pense que c'est inévitable que ça imprègne mes dessins et les histoires, que les choses que j'ai envie de raconter, ça c'est sûr. Mais oui, je pense que ça se ressent à fond. Enfin, j'espère, en fait. Mmh. Parce que pas que du dessin pour raconter des histoires ou pour faire des jolies choses. Ok. Enfin, quand je raconte des choses, j'ai aussi envie de raconter de parler de ce qui m'entoure et ce qui me touche. Et du coup, c'est traversé par pas mal de choses, mais notamment les questions féministes. Et ça, c'est évident que ça traverse. Et du coup, 30 millions d'amis télévision Moselle auraient aimé savoir si tu gagnes ta vie avec ton art ou si tu travailles à côté et que ça peut nourrir l'un l'autre. C'est vraiment une question qu'on se pose un peu tous
en ce moment, dans ce moment si particulier. Ouais. Excellente. Non, je gagne pas ma vie avec ce que je fais. Bah, disons que l'édition, c'est quand même un peu la merde. Ouais, c'est sûr. pour un peu chiffrer, si je fais une bande dessinée, je vais toucher 10% des ventes. Donc voilà. c'est sûr qu'avec ça, non. Non, je suis obligée de cumuler pas mal de trucs, mais ce qui me rapporte actuellement un peu des sous, c'est de proposer des ateliers. Là, en ce moment, en collège, en centre éducatif fermé et en prison bientôt. Ça, c'est ce qui me rapporte à peu près des sous. Ouais, ok. Tu fais un peu de RSA quand même. Et tu fais quoi comme genre d'atelier? Parce que c'est vrai qu'on est beaucoup à faire des, ouais, des ateliers. Tout le monde en fait ça en fait. Mais... Ouais, et toi, c'est quoi ton genre? C'est quoi que tu fais comme genre d'atelier? Ça dépend. Moi, je fais pas mal des fanzines. Ah, yes. Ok. Parce que c'est assez chouette de. Bon, déjà, de travailler sur de la narration et juste de l'image. Enfin, en plus, ça dépend ce qu'ils ont envie de faire. On peut travailler à partir de collage, de dessin, de. On peut faire de la BD, mais ça, peu importe. Mais qu'à la fin, il y a une petite. Il y a un objet et, qui puisse circuler après, que moi, je puisse faire circuler, que eux, ils peuvent faire circuler. Et qu'ils aient un peu ouais, l'objet livre, enfin, qu'ils aient toutes les étapes. Ouais. De la production du livre jusqu'à le façonnage et voilà, et même si c'est un petit fanzine, je sais pas, j'en ai un là, je crois. Enfin, voilà, ça fait des petits trucs. Ouais, super. On voit rien, c'est mal présenté, mais. Ouais, c'est cool. Voilà. Et du coup, ce travail qu'on pourrait. Qui est super intéressant, qu'on pourrait aussi. Enfin, qui est un travail alimentaire, de faire des ateliers, est-ce que ça nourrit aussi ta pratique artistique? Ouais. Oui, à des moments. Bah oui, parce que ça m'oblige à réfléchir, à adapter la manière de travailler. Enfin, j'essaye de partir de la manière dont moi je vais travailler, comment j'ai envie de raconter des histoires, et parce que quand même souvent on travaille sur de la narration, et d'essayer de trouver des petits stratagèmes, des outils, des techniques qui soient hyper hyper easy d'accès, et facilement, comment on dit, enfin que les participants et les participantes puissent se les approprier facilement. Du coup, moi, ça me fait bouger aussi, ça m'oblige à réfléchir un peu différemment de la manière dont j'ai l'habitude de travailler, donc ça me fait sortir de mes zones de confort. Parfois, du coup, ça me redonne d'autres idées, d'autres manières de travailler après. Ouais, puis il peut y avoir aussi des façons de prendre les choses de façon hyper nouvelle aussi par les participantes et les participants aux ateliers, et qui peuvent nous donner des fois des illuminations. Qui donnent des bons résultats, puis qui sont assez drôles à mettre en place, et du coup, où je me dis, mais pourquoi je fais pas ça, moi, quand je travaille, je me prends vraiment trop la tête, alors qu'il y a des choses super plus simples qui peuvent rendre des super histoires et des super images. C'est le rapport peut-être au savoir-faire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a, dans la pratique, on a un savoir-faire. Oui, c'est moins spontané, quoi. Du coup, les jeunes, enfin des ateliers ou des gens dont c'est pas la pratique, ils ont un rapport un peu brut à la chose, plus spontané, t'as pas de... Oui, c'est ça. Oui, puis je sais pas, après je veux parler que pour la BD, mais parce que j'en ai discuté avec une copine il y a pas longtemps, mais je pense que nous on a vraiment choisi la branche la plus ingrate de tout le milieu de l'art, je veux dire, c'est hyper la plus faire de la BD, le résultat il survient après des tas d'étapes super reloues. Personne n'a envie de faire des storyboards, c'est hyper chiant en fait. C'est ça que tu veux dire par laborieux, quoi. Alors que quand je fais des ateliers, du coup, j'essaye d'avoir le moins possible toutes ces étapes-là laborieuses et d'avoir un résultat assez direct. Parce que sinon, c'est dur de tenir un groupe qui n'est pas sensible à la pratique artistique à la base et de lui faire passer par toutes les étapes reloues par lesquelles moi, je dois passer. Mais moi, c'est pas grave, c'est mon travail, je le sais. Et puis je sais que ce que je vais donner à la fin, eux, ils le savent pas. Du coup, faut trouver d'autres trucs, quoi. Du coup, c'est souvent, on fait des affiches. J'avais aussi proposé de faire des affiches de faux groupes de musique. Trop bien. Ouais. Et justement, quand toi, tu fais des affiches pour des concerts... est-ce que tu penses à la soirée qui va arriver, enfin, qu'est-ce qui t'inspire, est-ce que tu te projettes dans la soirée, c'est ça le feeling que tu vas donner,
Comment c'est quoi ton truc en fait pour aller vers ce que tu vas exprimer? Eh ben alors là ça fait longtemps hein, que j'ai pas eu d'affiche de concert à faire. La dernière c'était une soirée de soutien du coup. Ouais, oui, j'imagine, je me projette un peu dans la soirée, je regarde surtout les groupes qui jouent, et puis souvent c'est pour des groupes que je connais, parce que soit c'est des concerts que moi j'organise pour des potes en tournée, soit c'est des potes qui me demandent, mais du coup, ouais, j'adapte un peu au groupe, aux gens, à l'ambiance que je pense y avoir, au lieu où c'est. Ouais. Ça dépend, et puis des fois j'ai juste envie de me faire plaisir et de dessiner un truc complètement débile, qui a peut-être aucun rapport, mais c'est pas grave, je vais trouver un prétexte pour le caler dans l'image. Ouais. Ok. Et du coup, on voulait te demander, on t'avait proposé de faire un top 3 de pochettes d'albums que t'aimes bien. Donc je sais pas si tu peux nous en présenter quelques-unes. Je sais pas si je pourrais trop les présenter, mais j'ai fait un peu... Enfin, vous montrer, ouais. Il y avait chez moi. J'en ai pas 10 000 non plus, des disques. Du coup... Attends, je choisis. celle-là, déjà. Ah ouais. Yes, ouais. Maria Violetta. Magnifique. Mais l'autre côté, c'est que l'autre côté est vraiment stylé aussi. Ouais, le regard comme ça qui est repris. Hein? Le regard comme ça qui est repris derrière, c'est super. Non, mais voilà, déjà la photo de Christina, voilà. On dirait qu'elle a 12 ans avec une cigarette. Moi, ouais. ça me touche. Puis les typos, la reprise du regard derrière. Voilà le travail de Félicité. Ouais. Voilà, et en plus, c'est un bête de disque. Carrément. Donc, c'est la Brigade Cynophile, c'est elle qui a fait le fanzine Ventoline, en fait, qui a fait la pochette. Ah ouais, la d'accord. Okay. Ouais. Un tas d'affiches super chouettes pour Lanzéro et à Lyon, et puis plein d'autres trucs. Alors après, je sélectionne un autre truc. Celui-ci. Ouais, tôle froide, du coup. Ouais, que j'ai récupéré ce week-end. Mais surtout, j'aime vraiment bien le dessin derrière. Ouais, voilà, super, cool. Carrément. Et surtout, dans ce disque, il y a un magnifique fanzine. Ah ouais? Ouais, il y a un petit fanzine en réseau d'images de fleurs hyper beau. Je ne l'ai pas eu, moi, celui-là. j'ai le vinyle, mais je n'ai pas le fanzine, quoi. Putain, non, merde. Je l'ai acheté directement à Morgane ce week-end. Ah, ok. Voilà. Ah ouais, super, super pochette. Et puis, moi, j'aime bien les fleurs, du coup... Voilà, mais je ne connais pas la personne qui a fait la pochette. Anna Denbold. Je la connais pas, mais en tout cas, voilà. On peut revoir un coup la pochette, si ça t'embête pas? Attends. Ouais. De l'autre côté. Je doute, carrément. Voilà. Super. Que des disques de meufs, hein. Après. Ouais, c'est cool. Allez, notre disque de meuf, alors. Attends, j'enlève du plastique. Hop, c'est le disque de Badaboum. Ah ouais. Voilà. Super, elle est trop belle, cette pochette. Super pochette aussi, ouais. Ouais, et derrière, enfin voilà, deux salles, deux ambiances. Ah oui, à fond, ouais. Voilà. Ok, trop cool. En tout cas, merci pour ce petit échange. C'était bien cool. Merci Lucille. Mais ça sent super bon par là. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Je vois que tu viens de mettre de la bière dans ton coq. Pas encore. Ouais, ça c'est la redneck, le coq redneck. Bonjour Monsieur Marcaille. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais savoir qu'en est-il du Schmilblick? Ah, toujours pas. Toujours pas. Non. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Eh ben aujourd'hui, on va manger des choux de Bruxelles à la chimée bleue. Mm-hmm. Alors j'ai déjà commencé à faire dorer le lard fumé et les oignons. Alors j'enchaîne un petit peu, hein, oui. Puisqu'il est temps. Là. Donc là, je rajoute une cuillère de farine blanche pour lier un peu le tout. Juste donc une cuillère à soupe. Très bien. Voilà, je mélange un peu. Parfait, je fais remonter un peu. Et donc là,
Mes lardons, mes oignons bien dorés avec ma cuillère à soupe de farine. Je mets les choux de Bruxelles. Je mélange un peu. Je touille. Un spécialiste. Et alors là, c'est là que... Bon, c'est des plaques électriques puisque on n'avait plus de gaz. Dommage. On voit que le budget de la prod est un peu limité, mais bon. Ouais, voilà. Enfin, voilà. Et donc, à partir de là, une fois que c'est bien mélangé, je verse une bouteille de chimée bleue, donc 33 centilitres. Pas besoin de plus, sinon après, la sauce sera trop liquide. C'est important, ça. Voilà, ça, c'est un peu le petit truc de la recette. On met bien toute la mousse, on attend que ça soit vraiment vidé, quoi. Donc, on attend. Un peu. En tout cas, c'est vraiment sympa d'être venu cuisiner pour nous aujourd'hui, parce que d'avoir pris le temps, parce que je crois que tu sors un nouvel album bientôt. Ouais, ouais, j'étais un peu occupé ces deux dernières années là, pour la sortie de l'album. J'ai bien profité du confinement pour faire le mixage, tout ça. C'était un parfait timing. Et il s'appelle comment cet album ? Cet album s'appelle No Snare, No Headache. T'as mal à la tête parfois ? Non, c'est plutôt pour les autres, quoi. Donc en gros, ça veut dire pas de caisse claire, pas de mal à la tête. Bah, c'est parce que j'utilise pas de caisse claire dans mon groupe. Parce que la caisse claire, je trouve que c'est un peu trop commercial, quoi, dans le, ouais, dans le style. Donc voilà. Pour revenir au chou, bah, une fois que il y a la chimée bleue qui s'est mélangée, on recouvre et 45 à 50 minutes à feu doux. En gros, quand la sauce est devenue un peu moelleuse, et ben c'est que c'est prêt, quoi. J'ai entendu dire que cet album, enfin, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, là, cet album, il fait un peu thrash avec un H. Est-ce que tu comprends pourquoi cette personne a dit ça ? Bah, parce que c'est du thrash, quoi. Ouais. Bah, ça, moi, j'ai entendu dire qu'on m'a dit que c'était l'album de la maturité. Ah, bien sûr. Est-ce que c'est vrai ? C'est quand même, c'est ton deuxième album. C'est mon deuxième album, oui. Le premier était 2013, au bout de 3-4 années de groupe, quoi. Donc là, c'est un peu l'album de la jeunesse, et là, après deux ans, oui, c'est ça, la maturité, oui, bien sûr. Des fois, ils sont trop à chier, les seconds disques. Parce que c'est... Ah, ouais. Ah, des fois, ouais, ça arrive à des groupes, bah, les groupes qu'on a oubliés, en fait, voilà. Depuis... Ouais, ce ne sera pas le cas. Non, mais celui-là, il est bien. Il y a même la pochette, là, en CD, parce qu'il ne faut pas déconner, l'avenir, c'est le CD, parce qu'on a beau rigoler avec les cassettes, personne n'a de lecteur. Ah oui, tout le monde a un lecteur CD dans sa voiture, c'est vrai. Non, l'avant-dernier morceau, j'ai rien piqué à Sono parce que j'avais pas écouté Sono avant de savoir que je faisais ça. Moi, je m'en fous, je fais ça avec mon feedback de violoncelle. Donc voilà, ça, c'est l'album en CD. Puisque le vinyle, c'est un petit peu désuet, ou alors pour les vieux ou pour les riches. Il va quand même sortir en vinyle, vu que moi, je compte faire du fric avec mon groupe. Bah, surtout qu'il y a des pays aussi. Enfin, nous, ici, on produit beaucoup de vinyle, mais il y a plein de pays comme la République tchèque. Ouais, enfin, oui. Tu vois, en fait, tous les gens n'achètent pas de disques, en fait, ils écoutent des CD. Et il y a plein de pays en Europe où il y a des CD encore. Et d'ailleurs, la cassette au Maghreb, il y a plein de gens qui écoutent des cassettes, quoi. Tout à fait. Et oui, c'est en ça. Il y a des endroits où ils s'en foutent du vinyle. Ils ont des lecteurs, parce que juste simplement, ils ont des lecteurs CD. Je pense que c'est l'important, c'est de pouvoir écouter le disque quelque part, quoi. Après. À part pour les DJ, évidemment, si tu as envie de scratcher du sono, bien sûr. Mais les choux de Bruxelles à la chimée, ça peut s'accompagner de frites, tu crois ? Ah, bah, à peu près tout peut s'accompagner de frites, voire même les frites peuvent s'accompagner elles-mêmes de frites avec une mayo, bien sûr. Et toi, tu joues dans un groupe qui s'appelait Frites aussi ? Bien sûr, un groupe qui s'appelait Frites. Les pochettes étaient des pochettes toutes originales qui étaient issues donc, de paquets de frites. Donc un peu grasses comme ça, avec l'odeur. Un peu rance. Mais c'était des paquets de frites, c'était des frites que tu avais mangées, toi ? C'est des frites qu'on avait fait pendant les quelques concerts qu'on avait donc... À Saint-Étienne. À Saint-Étienne, à Grenoble, c'était des frites de à qualité. Zad, des frites de qualité. Fait avec des vrais binges, double cuisson et compagnie. Bah, frites double cuisson, évidemment. C'est un peu comme si tu n'auras pas idée de cuire une pizza à four tiède. C'est vrai, mais il y a des groupes qui auraient fait la même chose que toi. C'est ça que je critiquais tout à l'heure. Ouais. Et ils auraient fait une simple cuisson, tu vois, pour que le disque arrive plus vite. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est un peu comme... C'est un peu comme 33 tours ou 45 tours ou des trucs comme ça, quoi. Voilà, ça va plus vite, on l'écoute et puis on jette le disque avec l'emballage, quoi. Ouais, binges de qualité. Ouais, c'est ça, mais de toute façon, comme je disais, des frites, c'est forcément double cuisson. Enfin, y a pas... On est d'accord, mais après... Faut retenir ça. C'est la frite qui avait fait ça.
C'est le double cuisson. Ils avaient fait un fanzine spécial, spécial frites, là. Ah ouais, bah ça, c'est d'ailleurs, on le trouvait en supplément avec le disque. Ouais, ouais, la bande à Job et tout ça. Comment faire ses frites, expliquer en fanzine, quoi. Ouais, c'est ça, un peu des tutoriels, des histoires autour de la frite, des sauces, des recettes de sauces. Bon, en général, un peu vegan, tout le bordel, mais bon, on peut agrémenter aussi avec des œufs. Et... Par exemple, la mayo, on peut la faire avec des œufs. C'est pas un scoop. Mais... Et le ketchup avec du lard. Et le ketchup avec du lard, évidemment. Mais du coup, les choux de Bruxelles, des choux de Bruxelles alchimie, t'as un groupe qui est à moitié bruxellois aussi, non? Ouais, bien sûr, ouais, ouais, ouais. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Raou. Ok. Et vous allez sortir quelque chose, je crois, bientôt. Ouais, on va sortir un split vinyle avec LR666. LR666, c'est le crabe et son pote Mehdi, qui sont dans la région nantaise, là. Et donc voilà, nous, on a un morceau de 12 minutes qui s'appelle Cardio. Donc il fait une face, et puis de l'autre face, c'est LR666. Et puis il y aura plus tard un autre album et encore un autre maxi avec une version de la glace à l'italienne un peu updatée, quoi. T'es plutôt menu ou à la carte? Ah, moi j'aime bien, ouais, auberge. Moi je suis plutôt auberge, quoi. Et donc frites, Bruxelles, mais Chimé, est-ce que t'as un groupe à Chimé? Un groupe à Chimé, non, j'aime bien Chiné aussi, quoi, bien sûr, mais un groupe à Chimé, non. Par contre, j'ai un autre groupe avec, pour moi, ce qui est un peu un vrai groupe de rock, en fait, un groupe avec des handicapés, on fait du rock. Foudre Rocker. Qui s'appelle Foudre Rocker, ouais. Il y a le disque qui est là, si vous voulez le montrer. Donc ça, bah voilà, c'est un vrai groupe de rock avec des mecs qui sont investis, qui se prennent pas trop la tête. Enfin, ils se prennent la tête autrement, quoi, sur des autres points de vue que nous. Et du coup, c'est pas mal. En tout cas, dans la musique, on est content, quoi. Et ouais, c'est par terre, en bas, là. C'est une pochette noire avec une tête de mort qu'a fait donc le batteur. Voilà, Foudre Rocker. On s'amuse bien. Là, on prépare un deuxième album avec des morceaux un peu plus rock'n'roll encore, quoi. Enfin, voilà, quoi. D'après ce que me disait Christophe, qui a la batterie. Mais dis donc, les choux de Bruxelles à la chimée, c'est vachement dur à accorder avec du vin, ça. Mais c'est quand même pas évident. Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste. Moi non plus, je ne suis pas spécialiste. Allô, capitaine Glouglou? Nous avons un défi pour vous. Salut. Bonsoir. Salut. Je prends mon sabre laser. À tes souhaits. Bonsoir, voilà. Capitaine Glouglou. Je me sens mieux. Bonsoir, alors apparemment il y a un accord à faire. C'est vraiment un défi là. Alors, on parle bien dans le bout du truc. Dans le bout du truc, ouais. Comme ça. Et il est beau ce micro, dis donc. Il est assez bien, ouais. C'est toi qui lui a prêté? Alors, ouais, c'est un petit peu d'histoire. C'est un Electro Voice 642. C'est donc un micro, le premier micro qui a reçu les awards en Amérique. Magnifique. Pour service rendu au cinéma. À partir de ce micro là, il y a eu un bon son dans le cinéma, quoi. En gros, voilà. Donc, un micro un peu hollywoodien. Et le cinéma le remercie. Le cinéma le remercie, oui, oui. Et 30 millions d'amis télévision Moselle aussi. C'est assez impressionnant. Ouais, ouais, c'est cool. Hein. C'est un micro dynamique, canon. Voilà, c'est pas si courant, ça mérite de le dire. C'est la marque. Oui, c'est un peu les deux. Alors, qu'est-ce que tu nous as apporté, capitaine Glouglou? Je pense qu'il y a pour aller avec ces superbes choux de Bruxelles à la chimée. Mmh. On peut claquer un gros vin des terrasses du Larzac dessus, avec une grosse majorité de Syrah. C'est fabriqué par Sophie et Vincent Guizard, qui font ça. Ils ont l'air d'apprécier. Voilà. Et on va déguster ça tout de suite. T'es allé là-bas déjà? T'es allé les rencontrer? Non, je suis jamais allé les rencontrer, hélas.
Donc c'est une invitation aussi, s'ils veulent peut-être passer à 30 millions d'amis. Oui, oui, manger. Ça pourrait être assez sympa de venir. On fera des choux de Bruxelles. On pourra refaire des choux de Bruxelles, effectivement. C'est à peu près la seule recette qui sera dans toutes les émissions, de ce que j'ai compris. Tout à fait. Il y a Chimé Rouge et Chimé Bruxelles encore. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée, en fait, que c'était celui-là qui serait bien avec, avec de la bière, justement, de la bah bière alors, la chimée étant un peu épicée, avec une, un peu onctueuse, comme ça, avec la petite réduction que Marcaï nous est en train de nous faire, là. Voilà, ça baigne dedans, un petit peu. Et bien, la Syrah, elle a aussi ces petites facultés d'épices et et une onctuosité qui va être approchée avec l'assemblage du vin. Et ça fait à peu près 6 heures qui s'aère. D'accord. Donc tu as préféré. Tu as préféré d'aller dans le sens plutôt que d'aller un peu dans l'antagonisme. Un peu dans l'antagonisme. Ouais, voilà. D'accord. Okay. On accompagne tout doucement là. On va voir ça. Ça peut être très bien. On peut essayer. Allez, où ? Je vous sers. Allez, je vous sers. C'est parti. Je pose mon. Comment il s'appelle ? Le Electrovoice 642. Absolument. Voilà. Et celui-là, il s'appelle comment ? Ça, c'est un Sennheiser MD441. Un micro qui est très bien pour reprendre les timbres de caisse claire. Ah oui ? Oui, c'est impeccable. Ok. Moi, j'ai une question pour le chef. Ouais. Bah, j'ai un enfant d'à peu près 7-8 mois. Ouais. Et je me demande, est-ce qu'il peut manger des choux de Bruxelles à la chimée bleue ? Enfin, je veux dire, est-ce que l'alcool s'évaporise ? Est-ce que légalement en 2020 je peux faire manger ça à mon gosse et tout, parce que oui. Bah, marché noir, on sait qu'on peut, mais légalement. Bien sûr. Bah, disons que je recommanderais peut-être moins les choux pour l'aérophagie, tout ça. Par contre, la chimée bleue, à mon avis, ça pose ça un, passe pour un gamin problème. De 6-7 mois, quoi. Bon, et sinon, bah, sans dents encore. Bon, ça dépend s'il a un petit sans dents, oui. Parce que alors, bon, voilà, après avec les dents, il commence un peu à manger de la viande et, ou des. Si je le réduis en purée, ça passe. Tofu. Bah, en fait, jusqu'à 12 mois, je recommanderais. Jusqu'à 12 mois, je recommanderais juste la bière de table, enfin la bière de ménage, comme on appelait ça, qui tape dans les 1 degré. La bière allemande. Non, la bière 1 degré 1, nos grands-parents qui buvaient à table. Je veux dire, t'en trouves encore au match en Belgique d'ailleurs. La triple, elle tape dans les 3 degrés 2. Donc voilà, donc si c'est un peu de la bière pour conduire. Donc bon, pour les enfants, la bière qu'on peut boire en conduisant d'ailleurs, c'est fait pour conduire. Et la bière, donc oui, pour les enfants, enfin avant 12 mois, la bière la normale à 1 degré 1, c'est très bien. D'ailleurs, c'était distribué dans toutes les écoles en Belgique jusqu'à il y a encore à peu près 30-40 ans. En Allemagne aussi, je crois. En Allemagne, oui. En Allemagne, ils continuent à boire. Ouais. En Belgique aussi, tu me diras. Mais... Ouais. Quoi d'autre ? Bon bah on va pouvoir goûter ce Syrah alors. Merci, ok. Merci capitaine Glouglou. Merci à vous. Merci public. Nikus, t'es prêt pour l'interview, pour le jeu Jetlag ? Absolument. Donc je rappelle les règles du jeu. Je pose une première question. Tu n'y réponds pas. Et tu réponds à la suivante avec la réponse de la première. J'espère avoir été clair. Le public, les invités peuvent aider si jamais, c'est un peu, c'est peut-être un peu difficile. On va voir. Peux-tu nous dire la différence entre le black metal et le death metal ? Quand tu as commencé le label en 2016 ? Est-ce que c'était quelque chose de spontané parce que il y avait une musique que tu avais tout de suite envie de sortir, tu t'es dit qu'il fallait faire ça, ou alors ça faisait longtemps que tu avais envie de le faire ? Le black, ça pute vraiment parce que les riffs sont vraiment cool, et dans le death, les riffs sont vraiment super, super cool. Pour toi, c'est ça la différence ? C'était une question dans le questionnaire, c'est ça la différence ? La différence entre le black metal et le death metal. Mais la question que tu viens de poser, c'était la troisième question ou pas ? Ah non, c'était pour rebondir en fait. Ah d'accord. Ouais, du coup, c'était. Ouais, okay. Voilà, ok. Ouais, voilà. D'accord. Donc, troisième question de la deuxième. On a entendu dire que tu étais. Merde. Ah oui, non. Sur les sorties, on se rend compte qu'il y a beaucoup de mélancolie et d'amour adolescent chanté sur des synthés.
On a entendu dire que tu utilisais le terme Schwinkor. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Schwinkor? Oui, j'ai fait le label parce que je voulais. Au départ, c'est parce que j'avais trouvé vraiment le nom, le syndicat des Scorpions, que je trouvais ultra cool. Et du coup, c'était un peu tout basé sur ce nom, quoi. Après, il y avait aussi l'envie de sortir de la musique, hein, c'est sûr. Mais voilà. Et puis, je suis tombé sur ce groupe Nina Harker que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et ça tombait super bien parce que c'était un groupe qui venait un peu de démarrer et qui n'avait pas du tout de label ou quoi que ce soit. Donc, ça s'est fait comme ça. Est-ce que tu gères le label tout seul? Comment tu finances tes sorties? Mais ça, tu l'as dit un peu tout à l'heure, comment tu es financé, mais est-ce que tu gères le label tout seul? Alors, le Schwinkor, c'est un concept que j'avais développé dans un article que j'avais écrit pour un site qui s'appelle Musique Journal. Et effectivement, c'est toutes ces musiques sur des synthés un peu pourries, un peu lofi, comme ça. Un peu comme ce que tu fais. Et c'est inspiré de chewing gum? Non, chouiner, tu sais, pleurer. Un chouiner. En fait, t'as pas l'impression des fois de chouiner quand tu... Moi j'ai l'impression d'être un espèce de mal alpha. Ouais, de mec de héros un peu face au vent avec les cheveux un peu qui font comme ça. Après, peut-être que je chouine en vrai, mais je le vois pas comme ça. Non, mais je dis chouiner dans le sens où c'est... Oh, tu m'as déçu. Mais là, tu chouines. Dans l'article, ce que je dis, c'est chouiner, c'est pas du tout péjoratif en vrai. C'est juste des gens qui parlent d'amour et c'est souvent. D'amour perdu ou enfin ils sont tristes quoi, donc voilà et souvent ça va effectivement avec des grosses mélodies de synthé un peu mélancoliques et moi c'est un peu ce que j'aime principalement dans la musique quoi, les trucs un peu tristes et mélancoliques, donc oui il y a beaucoup ça sur le label. Le nom du syndicat des Scorpions, c'est un blaze du coup qui transporte un peu l'idée d'immortalité et de force. Est-ce que tu penses que dans 150 ans, on pourra réécouter des cassettes ou trouver sur des clouds la musique du label? Alors oui, je fais le label tout seul et ça c'est tant mieux d'ailleurs parce que comme je t'ai dit avant, je fais vraiment de la merde financièrement. Donc, je m'en sors pas, c'est un peu horrible. Donc, vaut mieux pas qu'il y ait d'autres personnes qui. Oh, voilà. On est là. C'est pas important en train de chouiner. Normal. Il y a quelques. On m'a dit. Voilà, il y a une question qui a vraiment. Enfin voilà, vous voulez vraiment te la poser. J'ai oublié l'autre question. Invertir et truc de pas invertir. Ouais. Non, mais j'ai oublié l'autre question, c'est mort. Est-ce que quelqu'un peut l'aider? Personne ne suit. Non. Ah, si, c'est bon, j'ai retrouvé. C'est bon. Il paraît que t'aimes pas les Beatles, pourquoi? Ok, on va balancer des trucs. Alors, c'est pas moi qui ai écrit cette question. Non, mais je vois très bien qui c'est qui a écrit ça. je lis aussi des trucs, tu vois. Et donc, le syndicat des Scorpions, ça vient d'un court métrage de Chris Marker qui s'appelle 2084 et qui, voilà, en fait, ça vient de là. Ils utilisent en fait cette métaphore comme quoi ce serait un syndicat qui résisterait aux bombes, parce que le scorpion c'est un animal qui peut résister à la bombe nucléaire. En fait. Voilà. Mais le nom vient que de là et il n'y a aucune autre signification derrière, politique ou une. Tu pourras écouter la musique. Je pense pas du tout. Ou 200 ans, à peu près. Je pense pas du tout. Pour t'aider un petit peu, je pense que dans 150 ans, parce que après, en fait, après avoir été contrôleur. Ça fait quoi, dans 150 ans, on sera ça en 2000, dans 100, dans ces trucs-là. 2170. 2161. Ouais, c'est ça. 170. Ouais, 170, 100, ouais. 2161. Ah oui, on est en 2021. Mais pour juste pour dire, en tant que. Parce qu'en fait, après avoir été contrôleur SNCF, je suis devenu ingénieur en aérospatial. Ouais. Bon, voilà, on prend les directions clavines. Ça me permet un peu de m'aider. Mais je pense que, autant un format Bandcamp, ça, je ne sais pas si ça survivra, mais je pense qu'une cassette, dans 150 ans, on pourra la lire au même titre que les lecteurs à bande n'ont pas 150 ans. Ils datent des années 30. Et tu ne penses pas qu'il y aura une archéologie des clouds? Si, je pense que si. Je pense qu'un lecteur cassette comme tu as là, dans 150 ans, même s'il ne marche plus, ça ne sera pas compliqué de le faire remarcher. Et on pourra. Enfin, s'il y a un raclo. Peut-être. Mais moi, je vais te dire un truc qui va bien contre ce que tu dis, mec.
C'est que j'ai acheté sur eBay une cassette de New Order il y a quelques mois, mon gars. Et le mec, c'était un Polonais. Mais c'est quel album de New Order? C'était le premier, je crois, Movement. Ah, ouais, bon, ça va alors. Ils sont tous bien, mais c'est pas grave. Bon, je préfère le premier, mais bon, on va pas se disputer sur scène. Et en fait, j'ai acheté cette cassette et les bandes étaient cassées et la cassette ne marchait plus. Non, mais cassée quoi? La bande, elle était cassée. Ben non, ça se lisait plus. Enfin, Il avait pissé dessus. Parce qu'une bande, techniquement, non, mais tu peux lire. Voilà. Non. Pas automatiquement. Mais ça dépend. Mais si tu pisses dessus ou si tu la mets à côté d'une enceinte, bah oui, ça se démagnétise. Mais techniquement, une cassette, si tu la laisses dans ton grenier, peut-être je me trompe. Mais si je me rappelle mes études de physique il y a un peu près une trentaine d'années, aérospatiale, ouais, parce que c'était plus aller sur la Lune, tout ça, et ben non. Ça va. Enfin, je veux dire, si je prends une cassette que je l'enterre dans le jardin, dans une capsule un petit peu, tu vois, qu'il y a l'air qui passe pas, une capsule temporelle, comme ça se fait régulièrement, je pense que mon arrière-petit-fils pourra la lire. Mais bon, je veux pas trop m'avancer parce qu'on veut pas faire de vulgarisation scientifique ce soir. Bah, si, justement, tu peux faire une rubrique si tu veux, là. Je pense que l'avenir du futur... Moi, je dis que c'est possible. Après, je veux pas t'embrouiller parce que tu sais même plus c'est quoi la question d'après. À fond. Moi, j'aurais plus confiance aux enregistreurs à fil. C'est quoi un enregistreur à fil? C'est une technique qui a été développée au début de l'enregistrement. Donc, le son était enregistré sur un fil. Sur un fil que tu peux relire. Et juste comme ça, comment il s'appelle juste le producteur là qu'on a écouté? Joe Mick. Ah, Joe Mick, putain. Joe Mick, franchement, écoutez quoi. Voilà, ouais, c'est cool. Dire, ça avait rien à voir. Mais alors, par exemple, sans aller sur l'enregistreur à fil, mais t'as les bandes de. Tu sais, le mec qui avait enregistré dans les années 20 des bluesman sur du truc de cire. La cire, c'est plus compliqué parce que ça fond. On est d'accord, mais je veux dire, c'est encore lisible maintenant, on va dire presque 100 ans après. Les quelques rares. Pas bobines, mais enfin, les quelques rares rubans. Enfin, qu'on retrouve, cylindres ils sont lisibles. Et je pense que le mec à qui t'as acheté une cassette de New Order, c'est un mec qui a dû. Tu vois. Qui avait secrètement eu envie de se branler sur sa cassette ou des trucs comme ça, tu vois, qui avait un désir secret, qui t'a jamais avoué à la vente de la cassette. Mais on fait l'expérience. On va aller enterrer une cassette de son label dans le jardin dans 150 ans et on fait. On l'a eu mort. Ouais, on le fera après. Ah non, mais ça vaut des millions déjà. C'est la dernière. Du coup, tu te souviens de la question précédente? Non. Ah oui, les Beatles. Ouais, ok, alors ne réponds pas, parce que justement, ta cassette, tu la vends 4 euros sur Bandcamp. Sur Discogs, il y a des Nina Harker à 70 euros, prix moyen 39 euros. Et d'ailleurs, il y a un commentaire de Dosh Artash qui écrit en 2019 déjà, « Finger crossed for repress ». Est-ce que tu vas faire des rééditions? Ouais, alors les Beatles, c'est vraiment un truc, enfin c'est vraiment pas une posture quoi. Bon, après oui, effectivement, j'ai pas tout écouté des Beatles. Après, c'est des... Voilà, les groupes à la discographie hyper longue, ils sont un peu relous quoi. Et vraiment. Pas non plus joué pendant des siècles. Hein. Tu parles pas plutôt des Rolling Stones là? Mais pareil, tous ces groupes-là en fait, moi ça. C'est, ah non, mais les Rolling Stones et les Beatles, ça n'a rien à voir. Mais ouais, c'est de la merde. Discographie ultra longue et des groupes. Ah, ils ont pas une discographie longue les Beatles? Bah non. Attends, le John Lennon là en 1980. C'est pareil. Là, oui, mais il était tout seul. Et on parle des Beatles. Bah oui, mais c'est un Beatle. Oui, mais. Et il faisait la même merde que pendant les Beatles. Mais j'aime pas les Beatles, j'ai le droit de dire que j'aime pas les Beatles. Bien sûr que t'as le droit. Mais je sais pas, apparemment... attention, ouais, on ouais, y va. C'est ça. Vous emmerdez tous. Tente le Magical Mystery Tour. Mais j'aime pas donc. Voilà un label qui aurait sorti les Beatles. Mais non, mais... Après, il a le droit de pas aimer. On a tous le droit de pas aimer ce qu'on n'aime pas. Et non, puis, mais vice-versa. On a reçu en fait beaucoup de courriers des lecteurs à 30 millions d'amis Télévision Moselle qui se demandent pourquoi. Et on a voulu, leur rendre hommage en posant cette question. N'hésitez pas à nous appeler au 03 87 98 99 si vous avez une autre question. 50 000 CEDEX. Si vous avez une autre question à nous poser. Dernière question. Comment tu découvres les groupes? Alors, c'était... Ah oui, les prix sur Discogs, ouais. Ouais, ça, c'est un débat, c'est un truc que beaucoup de gens... Vous aussi, vous devez connaître ça, un petit peu. Ouais. C'est marrant parce qu'il y a un mec qui... Il y a pas longtemps, il y a un mec qui m'a dit sur Internet que c'était notre faute, en fait, à nous, les labels, qui faisions des petites quantités comme ça, en fait. C'était parce qu'on faisait des petites quantités comme ça que les trucs étaient hors de prix.
ce qui est un peu une grosse connerie, parce que si on fait des petites quantités, c'est parce qu'on n'a pas les sous pour faire plus, en fait. Mmh. Et tu nous parlais d'un salaire juste avant. On voudrait bien savoir combien tu gagnes. Pas brut, hein. Ça vient. Attends, net. On a le déroulé de l'émission. C'est pas encore. On sort nos fiches d'impôts à la fin de l'émission. Restez jusqu'au bout. Alors j'aurais peut-être une petite remarque à ce propos. Si tes disques sont à 10 balles sur Discogs ou sur eBay, est-ce que ça veut dire que le disque n'est pas, on va dire, soit pas bon ou soit pas hype, ou alors parce que les gens se les gardent, en fait? Peut-être que les gens veulent pas le revendre et du coup... Tu veux dire à 10... Mais bah là c'était plus... On parle de disques qui sont vendus à 60 balles, 100 balles. Mais ça c'est des gens qui font du coup du business dessus, mais ils l'ont pas écouté, en fait, la cassette. Non, peut-être pas. Après, moi je fais... Ils sont à 60 balles direct au moment où... Ah putain, les connards qui t'en achètent trois. Le truc, il est encore disponible. C'est ça, mais ils font du business, en fait, parce qu'il y a la hype et tout ça, donc le disque... D'un moment, quoi. En fait, je veux dire, vaut mieux faire des disques que les gens gardent et n'ont pas envie de revendre. Ah, tu veux dire que c'est parce qu'on fait de la musique de merde que ça se revend aussi cher? C'est une question que je pose. C'est possible. Peut-être. Non, mais c'est un truc de quantité, en fait, limitée. La dernière cassette que j'ai fait, là, j'en ai fait 100 exemplaires. Effectivement, c'est parti très vite. Et des fois, quand ça part... Au 3 jours, il y en avait plus, quoi. 100 exemplaires en cassette. Ouais. Et les cassettes, elles se revendent cher aussi. Ouais, à fond. Ah ouais, carrément, on a regardé sur... C'est de la spéculation, un peu... Cette phase. Putain, en plus, je suis sûr, les mecs, ils ont même pas de lecteur cassette, quoi. Mais bien sûr. C'est pour ça que je vais revendre, peut-être, tu me diras. Le truc, il est pas encore sold out, et les mecs, d'office, ils te triplent le prix, en sachant très bien que, bah, je sais pas, dans quelques mois ou dans quelques années, dans tous les cas, le truc partira, donc il y en a plein qui ont cette démarche-là d'en acheter 3, 4, 5... Mais c'est bizarre, quand même, comme état d'esprit, quoi. C'est complètement taré. Moi, j'avais fait l'expérience. J'avais les mecs qui vendaient les 10, 60, 70 euros. J'avais envoyé des mails genre, ouais, t'es un enculé. Non, non. Enfin, ouais. Voilà. J'avais essayé d'être un peu poli, mais ça n'avait pas trop marché. Ouais, des messages genre, ouais, bah, joue dans le groupe là, tu revends le 10, 60 balles. Pourquoi tu fais ça? C'est salaud. Le 10, t'as dû le payer 10 balles ou 15 balles, machin. Et une fois, j'ai eu un mec qui a fait, ouais, t'as raison, je retire la vente. Ça se trouve, il l'a revendu plus tard. Et une fois, j'ai eu un mec qui a fait, j'en ai rien à foutre, il l'a revendu 10 balles de plus. Non. En mode vengeance, et j'étais là. Il suffit que je fasse. Ça servit complètement à rien. Mais après, les mecs qui font ça, putain, c'est vraiment des schlags. Parce que c'est moi, clair. Je me considère comme un schlag, et j'irai pas quand même revendre pour gagner 20 balles, 30 balles, ou même 50 balles sur un disque. Faut vraiment être. C'est des mecs qui ont dû se faire violer par leur chat, ou un truc comme ça. Enfin, 30 millions d'amis. Problème psychologique à la base, quoi. Mm-mm. Ça peut arriver à tout le monde. De se faire violer par un chat, bien sûr. On a des chats super costauds aussi. Ou des dauphins. Genre comme ton chat, un peu. C'est le moment de notre... Il a encore une réponse à donner, vu qu'il y a un décalage de une question. Comment tu découvres... Comment tu découvres les groupes? Putain, c'est chaud, toi. J'écoute de la musique sur Internet, et puis... c'est souvent sur SoundCloud. C'est un site que j'aime bien parce qu'il y a plein de gens qui mettent des trucs cool. Quand je m'ennuie, je écoute de la musique là-dessus. Et des fois, je tombe sur des groupes bien. Et puis, je leur demande. Et ils sont. Des fois, ils sont chauds. Des fois, ils sont pas chauds. Et puis. Ah, tu t'es fait envoyer chier une paire de fois. À fond, mec. Genre, je veux sortir une cassette de vous à 22 exemplaires. Et ben, on me répond même pas des fois. Ah ouais, c'est génial. Mais sinon, tu chopes des bonnes playlists sur Caramel et là, non. Ah, Caramel. Non, je disais. Non, c'était une connerie. Et ça, je me suis pas trop chié dessus pour le. Franchement, non, c'est rassuré parce que c'est quand même difficile. Bravo. Show! J'ai la chronique qui me démange. Mmh.
Alors, la dernière fois, c'est ça, hein. Ouais. J'ai voulu acheter le dernier album de Harrington de Dioniso. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais Harrington de Dioniso, il a longtemps joué dans All Time Religion. Et il souffle dans des instruments comme le saxophone ou plein de sortes d'instruments chelous. Je suis allée, enfin bref, il avait commandé un truc sur Wafof et je suis allée sur son site. J'ai regardé et son dernier album qui s'appelle Raw Honey and a Shot of Poison, The Honey and Poison Sessions. Donc il est vraiment bien cet album. Donc il y a une sorte de rythmique assez gamelan punk, on va dire. Et il chante dessus avec une sorte. Il y a un chant un peu à la Stuart L. Staple, mais en plus crade. Et je me suis dit putain c'est cool, je vais l'acheter quoi. Le truc c'est que c'était un CD, donc déjà c'est le format que j'aime le moins, peut-être parce que je vis ici, enfin voilà, je sais pas, je... C'est pratique dans les voitures. Je conduis pas et du coup le CD coûtait 25 €, plus... Attends, c'est pas le privé. Enfin, le CD que privé Fnac. Bah, 25 € un CD plus les frais de port. T'en as eu pour 32 € quoi. Du coup, je l'ai pas acheté. Ça a été. Et tu l'as téléchargé sur. Non. Soulseek. C'était sur Bandcamp, mais j'aime pas télécharger les trucs. Je sais pas pourquoi. Et. Je sais pas, est-ce que par exemple Nikus, est-ce que tu pirates de la musique ? Non, mais est-ce que vous pensez en fait au format, à l'argent pour que tout le monde. Parce que tu vois, moi c'est direct, je me suis dit non, je peux pas en fait mettre 35 € dans un CD quoi. Je peux pas en ce moment, c'est clair. J'aurais bien aimé, mais parce que, je sais pas, on a re-eu une platine CD, donc c'est cool, on redécouvre les CD et tout. Mais j'avais quand même pas envie de mettre 35 € dans un CD quoi. En fait, moi je vais peut-être passer pour un con, mais ce sera pas la première fois parce que je vais me contredire sur ce que tu disais sur les cassettes tout à l'heure. C'est vrai que moi, l'unique raison pour laquelle je fais des formats cassettes ou vinyle, c'est vrai que c'est pour laisser une forme d'héritage en fait, dans le sens dans où le dans le temps, voilà. Parce que c'est vrai que sur. Ouais, un héritage dans le temps, parce que c'est vrai que sur internet ça peut, je sais pas, ça peut disparaître en un éclair. Et du coup, c'est l'unique raison, mais après, je suis pas forcément hyper attaché au format. Ok. Voilà. Mais c'est marrant parce que quand Marca il nous a accompagnés là sur le chemin, on discutait de ça, des formes, enfin, on discutait pas des formats, on discutait du fait de faire des CD. Et je lui ai expliqué qu'il y a. Un groupe que je faisais il y a une quinzaine d'années, on avait sorti des CDR qu'on avait acheté au Luxembourg pas cher, voilà, une pile de 50 CDR, on avait fait des copies. Et outre le fait que Marquet ait remarqué, qui est carrément vrai, c'est quand tu vas en tournée, tu fais des CDR et là tu refais une tournée, tu repasses dans la même ville et il y a un mec qui te dit oh bah, le CDR que tu m'as vendu, la copie, j'ai même pas pu le lire, ouais, tu vois. C'est vrai. Enfin, ça arrivait plein de fois. Et bah là, je réécoutais un disque vraiment qui avait jamais été ouvert, je le mets dans le CD, il marchait plus 15 ans après. C'était un CDR. Laissez-moi. Alors qu'à l'époque, en fait, il y avait le fantasme du CD, en fait, qui était immortel, en fait. Tu disais, voilà, que comme c'est comme c'est un format digital, le truc peut pas bouger. Un vinyle, ça peut s'abîmer à cause de la compression, de la rayure, et les cassettes, voilà, elles peuvent se démagnétiser. Tu disais, le CD, c'est pas possible. Sauf si tu le rayes. Jusqu'au moment où on s'est rendu compte qu'au bout de 10 ans, voilà, le truc brillant, réfléchissait plus rien, et que les trucs étaient complètement niqués. L'importance des formats. L'importance des formats, bon voilà, c'est un format de merde, mais pas pour dire que les cassettes, c'est génial non plus, tu vois. Mais les cassettes, moi j'en ai encore de 1987, de trucs que j'avais enregistrés, qui marchent encore, quoi. Je dis pas que c'est génial, ça se trouve, je me trompe dans mes calculs de scientifique, et dans 150 ans, ça marchera plus, tes cassettes. Surtout que t'as l'air de prendre des cassettes de mauvaise qualité. Mais peut-être, mais en tout cas, les cassettes... C'est une question économique, ce que tu veux dire, voilà. C'est une question économique, tant pour les labels aussi, que pour les gens, parce qu'une cassette, au moins, tu peux... Il a vendu une cassette à 8 €, c'est la cassette que j'ai achetée. Mais c'est trop cher. C'est trop cher. Et tu lui as acheté simplement son format à 8 € parce que c'était le moins cher. C'était une cassette, c'était pas. Mais il y a une question économique pour le producteur et pour l'acheteur. Parce qu'une cassette, tu peux la faire pas cher. En fait, moi, quand je vois des labels qui font des cassettes à 10 ou 15 euros, je dis, mais c'est pas possible en fait. C'est le format, autant acheter un vinyle en fait. C'est le format où tu peux faire un prix pas cher justement et où tout le monde peut l'acquérir.
les gens les plus précaires, et voilà. Donc c'est à ça que ça sert aussi les cassettes. Ouais, carrément. Dans ma tête. Et juste pour rappeler sur pour 30 millions d'amis, donc Harrington de Dioniso, il a créé le festival de musique expérimentale d'Olympia. Olympia, c'est une ville qui a une scène musicale super active depuis à peu près 40 ans, mais peut-être qu'il y avait aussi avant. Donc c'est la ville de Bikini Kill, de Bratmobile. Donc c'était un gros bastion pour le mouvement Riot dans les années 90. C'est aussi la ville du label K Records. Donc le petit K qu'avait tatoué Kurt Cobain sur son bras, c'est le K de K Records. Et c'est aussi la ville du label Kill Rock Stars. Et par exemple, le dernier morceau de l'album de Hall, Life Through This, qui s'appelle Kill Rock Stars, c'est un clin d'œil à Kill Rock Stars au label. Et si vous voulez écouter aujourd'hui des groupes d'Olympia, la scène locale d'Olympia, il faut écouter Chaos Olympia Community Radio. Vous pouvez trouver sur le net, et c'est la radio communautaire en ce moment des groupes qui jouent là-bas. Coucou. D'ailleurs, le mec de Caricorse, il était DJ-jockey sur cette radio dans les années fin 80, début 90. Okay. Je sais plus comment il s'appelle. Là. Je sais plus non plus. Le mec de Caricorse. J'ai pas noté. Et l'album de Harrington de Dioniso a été enregistré donc sur une Tascam 388. Donc c'est une table analogique. Et en ce moment, vous pouvez la trouver sur Woodbrass à 591€. Mais 30 millions d'amis télévision Moselle s'est renseigné. Et il n'y en a plus en magasin et il n'y en a plus non plus sur le net. Voilà. Jeanne. Alors maintenant, on va parler de Nancy un petit peu. Non. La merde. Donc personne ne sait pourquoi on dit ça, mais il y a des raisons qui sont que même nous, on ne peut pas expliquer. Donc nos voisins de Nancy, ils ont sorti une compile en janvier dernier qui retrace 12 années de musique violente à travers le local 3. Donc c'est un local de répète. Donc c'est 12 années de 2008 à 2020. Du coup, il y a dans cette compile des groupes de punk hardcore qui n'existent plus aujourd'hui, comme Rosa Parks ou Richard Durne. Il y a aussi du breakcore avec Le Crabe et aussi du grindcore avec Chien, donc plein de trucs encore. Et du coup, ils ont édité un petit fanzine qui est là, du coup, qui retrace un peu l'historique du local. Et dedans, c'est, quoi, c'est un local de répète ou quoi? Ouais, c'est le local de répète de Nancy. Et du coup, dedans, il y a le lien de téléchargement pour accéder au Bandcamp où il y a la compile. Donc si vous voulez le fanzine, il est disponible par courrier. On peut vous l'envoyer, donc c'est Thierry qui peut vous l'envoyer. On va vous filer l'adresse mail dans la barre info. Donc voilà, petit fanzine que vous pouvez vous procurer à prix libre aussi, pour soutenir le local 3. Voilà. Et bon, ça reste de la merde parce que c'est maintenant Nancy. C'est vrai. Merci Jeanne. Mais... Non, mais Richard Dune, on les a. Alors qu'on n'aime pas du tout Nancy, vraiment pas. Mais on les avait fait jouer il y a peut-être 15 ans au bord de la voie de chemin de fer, derrière le conseil général, tu vois, à peu près. Ouais. Là, à Metz, hein, je précise. Et c'était pas mal. Un concert à l'arrache, au groupe électronique, tout ça. Voilà. J'ai envie de raconter une histoire de merde là au milieu de nulle part, désolé. Faites ceci. Vous avez un truc derrière vous, mais. Merde. Donc, cette année, 30 millions d'amis télévision Moselle a aussi lu le livre sur Derek Bailey. Et Derek Bailey, donc, c'est le père de l'un des papas de l'improvisation libre. Et moi, j'ai trouvé ce bouquin cool parce qu'en fait, il raconte, il se base assez sur des trucs d'artisan, quoi. Il y a un aspect assez artisanal. Et il explique notamment comment Derek Bailey, en fait, fabriquait ses plâtres. Donc là, je crois que vous avez des images de plâtres. Et les plâtres, en fait, c'est une sorte de médiator. On l'utilise pour jouer du shamisen dans la musique traditionnelle japonaise ou pour le koto. Et Derek Bailey, on en parle dans ce bouquin, il fabriquait des plâtres en os, en pierre et aussi en pâte dentaire. Et est-ce que vous bidouillez un peu vos instruments aussi pour avoir un son? Est-ce que ça vient d'accident parfois? Ah, tu vois ce que je veux dire. En fait, à l'origine, c'est ce que disait Nafi, quand je jouais du cutter, c'était vraiment des piezos soudés à la main,
coincé dans la gangue en plastique qui tenait la lame. Cutter. Et c'était du cutter et c'était suramplifié, sans effet. Enfin, c'était vraiment du pur do it yourself. Et là, depuis qu'on est dans Scorpion Violent, comme Daffy, il fabrique pas mal de pédales d'effet qui ont un son vraiment qui tabasse, quoi. Du coup, voilà, là, en termes de bidouillage, je pense que on peut dire que ouais, il a créé un Burvenizer qui était mon fantasme de Crystallizer. Il s'appelle Thomas Burvenich. Alors j'essaie de faire un effet qui porte son nom. Voilà, oui. Ah. D'où le Burvenizer. Ça n'a aucun sens autrement. Une rose, comme quand on crée une rose, quoi. Un peu. Ouais, voilà, c'est un peu la rose que j'ai créée. D'ailleurs, à ce propos, j'attends. Et je t'aimerai toujours pour ça. Nafi, à ce propos, j'attends toujours ma Wawa depuis. Ouais, je crois que c'est l'heure d'aller faire un petit pipi. Et... Ouais. C'est l'heure de l'instant pub. Non, mais justement, on va mettre une interview de Morgane Carnet, là. Morgane Carnet, c'est une saxophoniste qui joue dans des groupes de jazz punk et aussi d'impro. Donc, elle navigue sur plein de scènes, aussi bien sur France Musique que dans des squats. C'est une interview entretien d'embauche. Et on va parler du rapport qu'on a en fait avec le travail rémunéré. Et toi, Nikus, du coup, tu disais tout à l'heure que tu bossais, quoi. J'ai mon micro. T'adores le travail. Oui, je suis infirmier. Je me lève à 6h tous les matins. Ouais, c'est ce qui te permet quoi, de... Voilà, c'est comme et ça, c'est dit. Ouais. Non, mais effectivement, oui, je... Moi, je me lève tous les jours à 6h du soir. Okay. Ça marche aussi. Non, mais oui, je travaille à côté, parce que si j'avais pas de rémunération, je pourrais pas faire le label, parce que je vends pas assez de disques pour financer la sortie suivante aussi ouais. rapidement que je le voudrais, en fait. Donc, je dois insérer des sous de mes salaires. Et oui, du coup, je suis infirmier, je travaille avec des handicapés... avec des retards. Là, il parle des groupes avec le boss. Aussi. Ouais. Et voilà. Et je déconseille ce métier à tout le monde. Mmh. Je ne le conseille à personne. Voilà. T'es syndiqué ? Toi qui es au syndicat, qui est le syndicat des Scorpions ? Oui, depuis peu en fait, parce que. T'es en fait, où on peut savoir. Garde de Paris. Je sais pas. si tu veux, hein. Y a la cassette. D'accord. Et il y a des tout petits verres, si tu veux. Non, la CGT, quoi. Mais c'est... Je veux dire, il n'y a aucune prise de position politique ou quoi que ce soit. C'est juste que les mecs dans les syndicats, dans les hôpitaux, ils sont juste là pour t'aider à comprendre tes droits, en fait. Enfin, le peu de droits que tu as. Et à t'aider à dialoguer, en fait, avec la direction et tout ça pour essayer qu'ils ne t'en tuent pas. C'est un combat de tous les jours, quoi. C'est l'horreur totale. C'est horrible. Mais bon, je suis super contente d'être à Pôle emploi. Là, ça fait un an et demi. Et c'est quand même. Enfin, je goûte assez Pôle emploi ces derniers temps. Toi, tu travailles, monsieur Marcaille. T'as un travail alimentaire ou pas ? Bah, moi, je travaille le style. Plutôt. Voilà, quoi. Ouais. Et j'avais une autre question, mais j'ai oublié. Style. Bah, je sais pas, c'était peut-être par rapport au style trash. Je sais plus ce que c'était. Mais quoi qu'il en soit, on va écouter Morgane Carnet. Merci Morgane. Millions d'amis télévision Moselle s'est rendu sur un site internet d'entretien d'embauche, et oui, pour voir si ces questions à la con peuvent s'adapter à la musique. Morgane, tu as un joker, let's go! C'est parti. Donc Morgane, peux-tu te présenter? Bonjour, je m'appelle Morgane Carnet, oui. Je suis saxophoniste, je joue dans quelques groupes comme Connie Chouard, Fantôme, Céline Peacock... L'ONJ, Surnatural Orchestra, d'autres, Volt, Vatela Pesca, beaucoup de groupes, voilà. D'accord. Quel est ton cœur de métier selon toi ? La composition ? Le live ?
le donner l'énergie face à des gens. C'est plutôt ça. Donner des frissons aux gens, en fait, c'est ça. Genre, est-ce que tu préfères composer sur l'instrument, improviser, être en résidence, tout ça, quoi? Dans ce métier, ce que j'aime finalement, c'est la diversité. C'est qu'on ne fait jamais la même chose et qu'on change chaque jour, finalement. On ne s'ennuie jamais. Et je crois que quand même, ce que je préfère, c'est être avec des gens et jouer ensemble et puis faire des bonnes bouffes, quoi, finalement. Est-ce que tu as le permis de conduire pour pouvoir te déplacer lors des tournées? Tout à fait, évidemment, j'ai le permis de conduire. J'ai le permis de conduire depuis même 2009. J'ai une voiture, j'ai fini par acheter une voiture, un berlingot qui s'appelle Beyoncé. Parlons Pôle emploi. Es-tu prête à te déplacer à plus de 30 km? Oui. À plus de 30 000 km? Aussi. 300 000. C'est possible sur la Terre? Ça, je sais pas. C'est plus la superficie de la Terre. 300 000. Oui, je pense que c'est vrai. Vous pouvez aller jusqu'à la Lune. Et donc, parlons des partenaires. Quel est ton rapport au label, au programme... C'est marqué quoi? Programmateur. Au programmateur et au label. Etc. Aussi, etc. C'est marqué. le rapport au programmateur, moi, je suis assez... je les prends comme des êtres humains. Hein. non, mais c'est marrant parce qu'on a eu une discussion là-dessus il n'y a pas longtemps avec un pote où j'ai peut-être une tendance à parler aux programmateurs de manière trop familière. Voilà, comme si c'était mes potes un peu, du coup, alors que finalement, il y a quand même un peu une différence de classe et de hiérarchie. Bref, il faut faire attention, mais... faut discuter avec les programmateurs, hein, sinon c'est dur hein, de jouer. Voilà. Et puis, pour ce qui est des labels, alors je suis une quiche, j'y connais rien, je refile aux autres le truc des labels. Mais les albums, je sais pas si t'as sorti des trucs sur des labels Ouais, mais c'est pas moi qui m'en suis occupée. D'accord. Jamais. Ok. C'est quel label ouais. Quel label, ouais? Eh ben, Conisho, là, on va sortir bientôt un album sur un label italien, mais qui a un nom polonais, Kraczynski, quelque chose. C'est Blanche qui s'en occupe. avec Célène, on est sorti sur le label Another Record, qui est un label tourangeau, petit label super. Avec Fantôme, là, on va sortir sur le label Carton Record, en lien avec LPLP, parce que Jean-Brice, le clarinettiste de Fantôme, est en train de monter son label, donc on va faire co-label. 2035 aussi a plus ou moins un label, compte en tout cas faire vraiment un label, mais alors moi je m'en occupe pas du tout. Est-ce que tu peux nous parler un peu de 2035? Bah ouais, 2035 c'est un collectif de copains, musiciens, qui viennent tous plus ou moins d'abord de la musique improvisée, free jazz. Et on s'est rassemblés ensemble, je sais pas, il y a 3-4 ans, parce qu'on faisait tout le temps des concerts de musique improvisée toutes les formes. Puis en fait, on s'est dit, ça peut être cool de monter un collectif et puis d'organiser des soirées. On a organisé pas mal de soirées aux Orbas, au Petit Balcon, au Café de Paris. Et là, on a monté l'Orchestre 2035, du coup, qui rassemble un peu tous les gens de 2035, plus d'autres. Et voilà, là, le collectif avance tranquillement, quoi. Bah là, on revient hier, on était à Grenoble avec Fantôme. On est allé faire un concert filmé. Mmh. C'était cool. Pour le festival des Tours de Babel. Et après-demain, on va faire un concert dans un collège. On va jouer dans le réfectoire d'un collège à Pantin avec Fantôme aussi. Super. C'est cool. Sinon, c'est plutôt des résidences en fait, quand même globalement. Encore, je sais pas comment on fait, on arrive toujours à trouver des résidences là. Et par contre, à partir de juillet, il y a quand même quelques concerts qui reviennent là, donc on croise les doigts pour que ça tienne. Ouais. Et tu as des hobbies à côté de la musique ou tu ne t'arrêtes que à la musique? Non, pas du tout. J'adore la danse, moi, je suis très branchée danse, cirque, j'ai fait beaucoup de gym quand j'étais petite. Et tout ce qui est plus proche du hip-hop aussi, que ce soit toute la culture hip-hop, la danse, le graphe, la musique, le rap. Mais là, ces derniers temps, je me suis vraiment prise de passion pour la danse congolaise, le dombolo.
Dernière question. Dernière question. 30 millions d'amis TV aimeraient savoir si tu aimes les animaux. Eh ben, pas de ouf. Ah. J'en ai un peu rien à secouer des animaux. Bon, bah, c'était cool de parler du travail. On va revenir sur nos rubriques, la chronique qui me démange. Je peux aller pleurer dans le... À côté de Nikus. Loin. Non, c'est... Bah, écoute, on finit là. tu es kidnappé. Donc toujours dans les compiles, ce coup-ci je vais vous parler de la compile The End of Radio de Strasbourg, donc qui regroupe des enregistrements live des concerts qu'il y a eu à la Sokopov, qui maintenant s'appelle le Diamant d'Or. Et donc c'est une compile qu'on peut trouver sur Bandcamp, qui est juste numérique, en soutien au lieu. On peut y retrouver des enregistrements entre 2010 et 2015, de concerts comme, il y a eu quoi comme groupe ? Il y a eu Badaboom, Scorpion Violente, justement, Monsieur Marcaille aussi. Et donc voilà, c'est un album numérique que vous pouvez choper sur Bandcamp, sur le Bandcamp du Diamant d'Or, en téléchargement libre. Donc voilà. Et dans la même veine, il y a aussi, dernière compile, à Lille ce coup-ci, donc le CCL, donc le Centre Culturel Libertaire de Lille, qui eux, ils ont sorti une compile super grosse qui se regroupe en 4 volumes. Donc compile numérique toujours sur Bandcamp. Et du coup, pareil, c'est des morceaux inédits, donc c'est pas des lives, mais c'est des morceaux inédits ou pas de groupes qui sont passés sur la scène lilloise. Donc il y a Raoult, Année Zéro, plein de groupes, Enob et tout ça, Daikiri. Donc voilà, et c'est en téléchargement libre aussi. Et donc, tu veux ajouter quelque chose ? Oui, par rapport à la compile du CCL, il y aurait un volume 5 qui arriverait d'ici quelques temps. Et pour ceux qui veulent avoir le CD, en fait, ils peuvent télécharger la pochette et se le graver soi-même. Et... Okay. Voilà. Et puis pleurer dans 10 ans parce que tout sera... Exactement. Mais toi, du coup, tu as fait aussi un inédit, non, pour cette compile-là. Pour le CCL ? Ouais. Ouais, c'est sous un autre nom, un truc un peu différent, ouais. C'est sous le nom de Marcaille de Cambrai. C'est une référence à François de Roubaix ? Bah, c'était pas loin, donc... Et ça sent vachement bon, dis donc Flash info, on me dit dans l'oreillette qu'une dernière compile va voir le jour à Metz, éditée par les collectifs Machin Truc et Clou. Donc ça sortira d'ici ça pique peu. Ça pique dans l'oreillette. Des petits enregistrements de Metz, voilà. Cool. Ouais. Bravo. Mais monsieur Marcaille, ça sent bon par ici. Ouais, plutôt, c'est pas mal, ouais. C'est pratiquement prêt, ça sort du four. Ouais, après, vraiment à peu de choses près. Ça tombe bien, j'avais déjà prévu de faire un plat avant, au petit-déj. Donc, on en aura un pour dans à peu près 20 minutes, mais il y a celui-ci qui est déjà prêt. Donc, mais je crois qu'il n'y a pas que ça qui sort du four, il y a aussi une vidéo. On la regarde tout de suite. À vous les studios. Where's the light of the tonight? Raise me, but I feel alright. Where's the light?
c'est vrai qu'on a fait pas mal de vidéos cette année. Ouais. C'était une façon de rester créatif malgré l'absence de concerts. Ouais. Comme par exemple celle-là. À vous les studios. Diary of a Murder. Et ben maintenant, je crois qu'on va goûter. Ah mais carrément. Donc vous êtes tous invités à venir en cuisine. Je vais faire des petites assiettes. C'est la fin de l'émission, on va pouvoir goûter les choux de Bruxelles. Ouais. Allez, c'est parti. C'est délicieux, monsieur Marcaille. Mais oui, bien sûr. Bah, tiens. On a oublié les fourchettes, mais c'est pas grave. Avec les doigts, avec les doigts. Ça se mange avec les doigts, comme les frites. D'accord. Bon appétit.
un peu chaud, peut-être. Ouais. Viens, Thomas. Ils donnent là, tu en veux. Là, tiens. Mais ça a l'air délicieux. Je parle le groupe, chef là, la musicien. Et maintenant, on va écouter un nouveau groupe. Donc avec Vincent et Joël qui jouaient dans Le Singe Blanc et Val L'Enclume qui jouait dans Turbo Sport Injection et qui fait des super dessins. Il s'appelle comment ce morceau, Gouache ? Démotica. Allez, c'est parti.